Faut que je vous dise. Avant de commencer quoi que ce soit, faut que ce soit clair. J'ai un type dans ma vie. Pourquoi vous me dites ça? Pour que vous soyez au parfum. On se connaît pas, alors je veux que vous sachiez. J'ai un mec, voilà, c'est tout. Je m'en doute, ça se voit. Ah bon? Et vous voyez ça à quoi, vous? Comme ça, je vous regarde et je sens. Je sais que vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous sentez ça? Je le sens. C'est une question de disponibilité. Et vous me sentez disponible ou non? La réponse tient dans la question. Comment ça? Je pense que vous êtes disponible. Ah bon? Sinon, vous seriez pas là à parler avec moi. Alors, de se parler pour vous, ça engage forcément quelque chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que vous êtes disponible, sinon vous m'auriez pas dit que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Vous croyez ça, vous? C'est intéressant. Vous voulez vous protéger? De quoi? De moi? Vous vous compliquez pas trop la vie, là? S'il n'y avait pas de problème avec votre mec, même pas vous m'en auriez parlé. Parce que vous avez peur. Mais j'ai pas peur, arrêtez, j'ai pas peur de vous. Faut croire que si. Bon, bah j'ai peur. Mais pas peur comme la peur, non. Une autre peur. L'inconnu. Quelqu'un qui vous parle de vous et de votre disponibilité. Vous avez peur de votre disponibilité, vous ne pouvez rien, c'est comme ça. Vous ne contrôlez rien de rien. C'est quelque chose que vous emplissez entre vous et moi. Que vous comblez entre vous et moi. Et ça se passe là, dans cet espace-là. Vous épaississez le rapport entre vos yeux et les miens. Vous ne fuyez pas le regard. L'air devient épais. Là où nous sommes n'a plus d'importance. L'air se charge de postiche. Vos cheveux envoient des messages. Votre corps se déplie. Vos mains jouent une petite musique nerveuse. Parce que vous avez peur de vous séparer de votre type ou de savoir qu'un jour ça va se finir.
Vous savez que ce n'est pas éternel avec lui. Alors vous comblez les trous, les espaces, le vide. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, peut-être. Si je vous disais, on part n'importe où, mais on part tous les deux, sans faire de mal à personne. Sans faire de mal à personne? Sans que personne ne sache. Un week-end tous les deux sans réfléchir. On arrêterait de réfléchir. On ferait tout sans réfléchir. Peut-être. Peut-être. Il vaut mieux que je me sauve. Pourquoi? Vous me gênez. Vous êtes fait des images? De quoi? De nous. Ce que vous êtes imaginé, vous et moi, dans un hôtel? Un peu. Un peu? J'ai eu des images, oui. J'ai regardé vos mains. Mes mains? Elles vous plaisent, mes mains? Ouais. Il vaut mieux que je me sauve. Vous attendez quoi? Que je vous dise ne partez pas et que vous partiriez? Alors partez. C'est vrai qu'il vaudrait mieux que je parte. Mais j'ai pas très envie de partir. On s'embrassera plus tard. On s'embrassera plus tard.